Et oui, tout de suite, hein, ils sont quand même... Un pad de puck qui pouvait être dangereux, d'ailleurs, qui peut toujours être dangereux. Qu'il l'est. Et oui. Et oui. Et là, on la paye, cette... cette faute. Hein. C'est première, une faute, ouais. Première incursion. Et but. Premier but. Premier but. Mérité, d'ailleurs. Bien, bien travaillé pour l'équipe de Nice. Opportuniste. Et c'est la première vraiment grosse incursion de Nice. Hein. Ah, tout juste 5 minutes et 11 secondes de jeu. On peut faire partir sur l'arrière, vas-y, l'axe tout de suite, prends le shoot, c'est loupé, la crosse a cassé d'ailleurs. Ouais. Et le tir, et on a cherché l'aviation bien joué qu'un autant peut-être. Non. Bien couvert par Stojanovic. Et il a tout de suite dessus, il se fait prendre là. Voilà, tout de suite le shoot. C'est bien fait. Bien avancé, bien avancé pour boucher un petit peu. C'est maintenant qu'il faut faire l'écart si on veut arriver à se donner une chance. Sur Carpentier peut-être. Voilà, il le fait. Je le disais, c'est maintenant. Et c'est le numéro 43 de Nice. Douchek qui vient mettre le troisième but. Il y a Carpentier qui est dedans. Ouais, une assiste de Carpentier. Ouais. Et là c'est un peu la douche. Hein. Ah oui, là ça a un coup sur la tête. Hein. Ouais, 2 minutes supériorité qui n'ont pas été concrétisées. On a 5 et derrière. Mais première rentrée de Nice dans la zone mulhousienne et ça fait filoche. Hey. C'est les aigles qui ont gagné le puck, voilà. Et c'est la botte hein, de Papillon qui s'interpose. Non, quand on fait les passes, il faut deux, deux. Vraiment là. Oh là là. Et là, là c'est fini. Et qui c'est qui est là? C'est Monsieur Popelka. Et ouais. Allez. Bon bah là. Là il y a eu rebond et tranquillement il a pu ajuster. Hein. Le 47. Ouais, mauvaise relance. Popelka. Mauvaise relance, ils ont temporisé très peu de temps pour faire ce surnombre. Et il a pu l'ajuster après ce rebond. Hein. Personne n'est venu le bloquer niveau de Mulhouse. Hein. Et ben ouais. 4-2. Et peut-être de se découvrir encore un peu et prendre un cinquième, mais au moins d'avoir essayé. Allez, 11 minutes 46 encore dans ce troisième tiers-temps pour tenter de revenir au score. Ah non. Là, ouais, ça brasse, ça devant la cage, ça fait pas semblant. Hein. Non, ça. Le seul avantage, c'est qu'il l'a fait rapidement. Donc, Attention. Oh. Ah, il y a un gros shoot, hein, le numéro 15 là. Oui. Et boum! Oh là là, la lucarne, elle est belle celle-là. Alors celle-ci. Pouh, bon ben voilà. Oh là là. Et puis vu qu'il y a 4-4, on reste encore. Personne ne rentre. Je disais qu'il avait un gros shoot, ben il l'a démontré. Hein. Ah ben on a entendu le bruit du poteau. Hein. Ah quand un papillon, il a la tête basse là. Il est... ben, disons qu'il n'a pas vu le départ du shoot. Non. Et ben, la mitaine n'a pas eu le temps de monter. Hein. Bon, et ben. Un sixième but à Bordeaux. 6-0. Face à Briançon. On a quand même des gros scores hein, quand je regarde quand même. Je ne sais pas si on en donnera plus que la première, mais en tout cas. Ouh, poteau. Ouais, là c'est poteau extérieur par rapport à la cage de Paps. Marcotte, il a touché le poteau. Hein.